tout le monde, c'est le cas. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement ma maison sur Minecraft. Et oui, j'ai fait un serveur avec mon ami. Ça fait quasiment une semaine que nous sommes dessus. Et on est plutôt pas mal. On est vraiment pas mal. Et donc, du coup, donc, alors, pour commencer, nous avons notre petit champ ici et notre portail du Nether. Et notre maison est un peu plus par là-bas. Mais non, c'est une blague, elle est là, notre maison. Donc, on va commencer par le petit champ, voilà, magnifique. Celui-là, c'est mon champ, celui que vous avez vu là-bas, c'est celui à mon ami. Et ça, c'est le portail du Nether. Ici, il y a des petites patates avec du blé ici. Ici, il y a un champ de canne à sucre que je vais récupérer. Bah, récolter. Et ici, nous avons un petit chemin pour aller chez moi. On a déjà commencé à décorer pour l'Halloween. Comme vous pouvez le voir, on a mis des petites citrouilles. Je vais juste enlever mon bouclier parce qu'il cache comme la moitié de mon écran. Donc, on a des petits piliers ici avec des citrouilles. C'est moi qui ai fait toute la déco à part... regardez, vous voyez des décos comme ça et comme ça et comme ça, comme... Bah, ça, c'est moi qui ai fait. Mais les citrouilles ici, comme ça, ça c'est mon ami qui l'a fait. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal pour l'Halloween. S'il vous plaît, arrêtez de faire du bruit. Merci. Donc du coup c'est ça. Ici il y a des petits palmiers, si je peux dire ça comme ça. Bah, c'est censé être des palmiers, mais vu qu'il n'y a pas de palmiers dans Minecraft, on a pris du bois de la jungle. Ici, nous avons des petits bambous avec des repères et des enchantes. Nous allons maintenant entrer dans la maison. Mais avant de rentrer dedans, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification et mettez un like si vous voulez plus de vidéos où je continue à jouer sur mon serveur Minecraft parce que c'est vraiment cool et parce que... Oh putain! Bon, voilà. Donc, c'est parti, nous allons. Oui, je sais, on vient de commencer, d'accord. À la base, notre maison, on avait fait un peu de dirt, maintenant, c'est comme ça. Bon, d'ailleurs, le fer, je vais bientôt le faire cuire. Parce que je viens de faire une petite séance de minage de fer avec ma pioche en diamant Fortune 3. Donc, je vais vous présenter un peu tout ça. Ici, nous avons un repère des enchantes avec un repère humain. Donc une enclume quoi. Ici nous avons un tailleur de pierre avec une petite table de craft et des bougies, juste ici qu'on n'a pas allumé d'ailleurs. Pourquoi t'as mis une torche ici? Je sais pas, ça va enlever des points. Bon là pour l'instant je la laisse mais après ça va enlever des points. Nous avons la table d'enchant et nous avons un magnifique tableau où nous pouvons entrer dedans. Mais pour l'instant on fait pas de salle secrète. Parce que moi j'en ai déjà une mais lui il le sait pas. Donc du coup ça... C'est PiggyBoy4500, donc c'est mon ami, avec son petit lit, etc. etc. Ses bannières, et ça c'est la bannière de mon ami à l'école. En fait, mon ami est celui de mon ami. Et, bah, en fait, il s'appelle Mathis. Et bah, du coup, c'est lui qui a fait cette bannière parce qu'il était chez mon ami. Quoi. Du coup, ici, nous avons Ewen et Ezekiel. Donc, Ewen, c'est moi. Ezekiel, c'est mon ami. C'est pas Mathis. Et on a commencé. Ezekiel et Ewen, aventure. Pour le moment, drôle, bizarre, avec un autre con et pervers. Ezekiel. En fait, c'est parce qu'on a invité quelqu'un d'autre qui s'appelle Olipopo. Si tu vois cette vidéo, c'est pas moi qui ai écrit ça. La preuve, je fais pas de faute d'orthographe. Genre pour. C'est ça. Drôle. Drôle. Bizarre, je crois que ça s'écrit comme ça, mon pote. Ouais, enfin, je sais plus. Avec un autre con et pervers. Pervers. Ouais, bon, ça... enfin, voilà, tu sais. Et allez à la deuxième page, ça, c'est moi qui ai écrit. Et là, Ewen et Ezekiel, aventure pour le moment. Tout se passe bien, full diamant. Signé Ewen, c'est moi. Allez à la troisième page. Voilà. Bon, là, on n'a pas encore. Donc ça, c'est ses coffres à lui. Pas très bien, lui,
arrive avec son coffre de bouffe qui est pas plein. Ça c'était ma bannière. Avec ça aussi, c'est ma bannière, ça aussi et ça aussi. Ça c'est Ezekiel qui l'a fait, sauf que c'est seul, on les a mis pour faire un peu de décoration. On a décoré un peu avec Halloween. Et ici c'est mes coffres. Voilà, plutôt pas mal. Le livre Fashion 6.5, attendez. C'est le moment ou jamais pour vous. J'espère que mon ami. J'espère que Ezekiel ne va pas voir cette vidéo. Parce que regardez. Après il va tout me voler. C'est à moi ça. Je vais le mettre ici, mon livre Fashion 6.5 et je vais le faire. C'est quoi? Au lieu d'utiliser tout mon charbon, je vais le mettre dans son foin. Ici c'est mon coffre de bouffe à moi. Ça c'est mon lit, voilà, le KTV. Et chambre de Yves et mathématiques, ça je vais vous montrer ça juste après. Hop! Voilà. Donc, juste avant de commencer, devinez qui est mathématiques et Yves entre les deux. Ceux qui ont dit que mathématiques c'était celui-là, bien joué. Ceux qui ont dit que c'était Yves celui-là, bien joué. Ceux qui ont dit l'inverse, je suis désolée, mais c'est pas ça. Donc Yves, c'est ça, c'est Yves. Et mathématiques, en fait, c'est parce que Mathis, il est fort en maths à l'école. Fait que du coup, on a mélangé les deux pendant que Mathis était chez Ezekiel. Voilà, on a appelé un axolote comme ça. Mais sinon, c'est déjà un peu la fin, là. Je vais juste vous montrer l'enclos mouton. D'ailleurs, je vais tout vous raser parce que j'ai besoin de vous raser parce que vous êtes trop en train de manger. Oh, 9, parfait. Et ici, nous avons des cacao beans que nous avons trouvé dans la jungle. Que j'ai trouvé dans la jungle, mais c'est le champ à nous deux, celui-là. Hop, 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 hop. Parfait. Ici, nous avons une petite ruche, mais il n'y a plus d'abeilles dedans, enfin que ça nous fait plus de miel. Je dis ça parce que pour ceux qui ont remarqué que j'avais du miel ici et qui se demandent comment je l'ai eu, voilà. Je l'ai eu comme ça. Donc, moi, je vais directement mettre tout mon fer à cuire dans les petits fours. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos sur le serveur. Donc si vous voulez d'autres vidéos sur le serveur, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez ne pas vous abonner, c'est pas à moi de décider ça. Mais du coup, ça me ferait quand même super plaisir que vous vous abonnez. Parce que abonner c'est comme un verbe, c'est un verbe en fait. C'est comme follow. Follow, en fait c'est abonner. Oh punaise, bon vous avez compris ce que j'ai dit. Et donc du coup, ça... Donc, n'hésitez pas à liker pour avoir de prochaines vidéos sur mon serveur Minecraft et peut-être même des fois avec Ezekiel. Sinon, c'était le cas. Ciao tout le monde!